Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné et que tu aimes mon contenu, je te laisse t'abonner et activer la petite cloche pour suivre toutes mes nouvelles vidéos quand elles sortiront. On parle make-up, on parle skincare, on se détend, je vous fais parfois une palette, trois looks, on parle de nouveautés même je vous fais aussi parfois des recettes maison de skincare et tout ça. Donc, si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes mes nouvelles vidéos. On va passer maintenant au sujet de la vidéo. C'est parti. J'ai beaucoup de choses à vous dire, comme vous pouvez le constater dans cette boîte. J'ai failli tout faire tomber, mon Dieu. On va tout d'abord commencer par tout ce qui est make-up. Alors, j'avais acheté chez Action une boîte avec plein de beauty blenders à l'intérieur, comme ceci. Et du coup, je vais vous donner un petit peu mon avis par rapport à ces beauty blenders. Vous voyez, j'en ai testé, donc je vous les montre. Donc celle-là, elle n'est pas grossie, mais elle est beaucoup plus grande. Celle-ci non plus. Et celle-là, c'est la petite jaune, vous savez, que vous voyez dans la boîte là. Donc déjà, ce sont des éponges vraiment hyper souple. J'ai été très étonnée pour ça parce que franchement, au niveau de la souplesse, c'est génial. Ensuite, il y en a trois différentes. Il y a une petite, une grosse et une comme ça. Perso, celle-ci, c'est pas ma préférée. La forme, c'est la forme en fait que j'aime pas trop. Je suis pas fan en fait. C'est pas que j'aime pas trop, mais je ne suis pas fan. En fait, ce côté-là, je trouve qu'il est pas assez pointu pour moi. Pour passer en dessous pour mettre mon anti-cerne ou autre, vous voyez. Après, ce côté là il est sympa pour mettre le fond de teint, mais voilà, c'est pas celle que je préfère sincèrement. Après, celle ci j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment fine à ce niveau là et elle est vraiment très très souple également une fois que je viens l'humidifier. Et voilà, pour venir appliquer le fond de teint aussi, elle est très efficace et très très bien. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Je viens souvent l'utiliser pour faire mon dessous d'œil. Et vraiment, elle est géniale parce qu'elle est très fine à ce niveau-là. C'est vraiment essentiellement ce côté-là que j'utilise avec celle-ci. Des fois, je la retourne pour venir fondre mon anti-cerne avec mon teint. Mais voilà, c'est vraiment au niveau de ma préférence. Au niveau de ces éponges, c'est vraiment la jaune et la orange que j'aime beaucoup. Donc pour moi, c'est clairement un top. Ensuite, j'ai récemment testé des produits de la marque Stilevana. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la mettrai dans le petit i. Si jamais vous souhaitez aller la voir. Sincèrement, dans la globalité, j'ai un petit peu été déçue par leurs produits. Dans le sens où c'était pas ce à quoi je m'attendais. D'un côté, je voulais tester leur make-up, donc c'est bien que j'ai eu cette collab avec eux. Je les remercie encore énormément pour ça, parce que ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir eu cette collab avec eux. Mais voilà, au niveau du fond de teint, il vient marquer vraiment les défauts de la peau, il n'est pas joli, donc sur le visage. Au début, franchement, à l'application, il est vraiment joli, et une fois qu'il vient sécher, c'est là que c'est pas joli, que ça vient tout marquer et tout. Franchement, j'ai pas aimé du tout. Pour moi, c'est un flop. Après, dans cette marque, le gros flop, comme je vous dis dans la vidéo, ça a été le mascara aussi, clairement. Ils disent qu'ils lâchent, mais qu'ils lâchent rien du tout. Les cils, ils s'allongent pas du tout comme il faut. Ça fait des cils tout à fait naturels. Ça fait pas des longs cils. Donc non, je trouve que ce mascara ne respecte pas du tout ses promesses. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un flop. Ensuite, au niveau de ce blush il est très très bien. Je l'ai vraiment apprécié. C'est un blush comme ça, vous voyez. Mais en fait, c'est un petit peu poudré quand on vient l'appliquer comme ça. Ce blush, je l'ai bien aimé. Seulement, qu'est-ce que c'est une galère à appliquer quand même sur le visage. Donc, mais après, le rendu est vraiment très très joli. Mais j'ai galéré. Voilà, j'ai galéré, je vous le dis. Parce que c'est compliqué à venir appliquer. Et pour ça, je dirais que c'est pas un top, pas un flop, mais que c'est entre les deux, quoi. À cause de l'application, justement. Stilevana, il m'avait aussi envoyé une petite palette, comme ça, dans les tons nude. J'aime beaucoup les tons de cette palette. Je trouve ça vraiment très, très beau.
pour tous les jours, franchement, pour aller travailler, etc. Franchement, je trouve ça vraiment très très bien. J'aime beaucoup cette petite palette. Et vous voyez les fards qu'il y a dedans, ils m'ont vraiment étonnée parce qu'ils sont vraiment, bien pigmentés. Ils font le job. Ceux-là, là, les lumineux, ils sont magnifiques. Il n'y a que celui-là que j'arrive pas à le comprendre, là, le beige avec des paillettes dorées, là. Parce qu'en fait, c'est un fard. Le problème, c'est que en fait, il y a des paillettes dedans et que c'est un fard qui est sec. Et le fait, à cause du fait qu'il soit sec, les paillettes, elles se barrent un peu partout, en fait. Et c'est à cause de ça que c'est le seul fard qui déconne, je dirais, de la palette. Sinon, tout le reste, ça fonctionne très très bien. Les couleurs, elles sont très belles. Elles viennent facilement se dégrader entre elles. Elles viennent facilement aussi s'appliquer sur le visage. Franchement, voilà. La palette, je l'aime beaucoup et je pense que je la réutiliserai du coup à part celui-là, comme je vous ai expliqué. Donc pour moi, c'est un top, cette palette. Et récemment, j'ai acheté ce fixateur de chez Sephora, le spray fixateur de maquillage, donc tenue 16 heures, sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité, plus extrait de ginseng en 80 ml. Enfin, j'ai pas testé encore le sans transfert par rapport à ce spray fixateur. Mais qu'est-ce qui vient bien fixer le teint? C'est un truc de fou. Franchement, c'est une pépite ce fixateur. Je vous le recommande vraiment. Parce que pour le prix, bon là je ne l'ai plus du tout en tête, mais je vous le mettrai sur l'écran. Pour le prix, ça vaut trop le coup. Il est vraiment trop bien. Et il fait bien tenir le maquillage. J'ai eu de très beaux rendus avec les fonds de teint que j'ai testés avec ce spray fixateur. Et franchement, je ne suis pas déçue du tout. C'est une pépite, ce produit. On continue. Et donc, pour moi, le top, ce qui a été aussi top, c'est bon, je ne me suis pas énormément maquillée parce que j'ai été beaucoup malade ce mois-ci. Ça a été assez compliqué. Mais clairement, ça a été toutes les palettes de chez Beauty Bay là, qu'ils ont sorties, les trois. C'est des pépites, en fait. Donc là, je vais vous montrer la Berry. J'ai fait une vidéo pour chaque palette avec mon avis et une palette 3 looks. Si jamais ça vous intéresse, ce sera soit dans le petit i, soit en barre d'infos. Si jamais j'ai plus de place dans le petit i. Donc là, pour la Berry, on est plutôt sur une harmonie de rose, violine, prune, comme ça. Franchement, ces palettes, ce sont des pépites à petit prix parce que la pigmentation, elle est vraiment dingue. Vraiment dingue. Les fards, ils sont hyper faciles à utiliser. Et en plus de ça, les couleurs, elles sont trop belles. Et les harmonies qu'ils ont fait, franchement, je sais pas, j'aime trop. J'aime trop. Ils se sont inspirés des palettes qui ont été très populaires chez eux et qu'ils ont arrêté. Notamment, il me semble bien, la Love Note, la Witness, si je prononce bien. Et la, comment ça s'appelle Book of Magic. Et du coup, ils ont fait ça pour qu'elle reste, pour avoir des palettes justement que les gens ils ont kiffé, mais dans leur collection permanente. Et j'ai trouvé ça vraiment trop génial. Le packaging, il a été un petit peu sali avec un produit que je vais vous montrer après, mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, moi j'ai la Midnight. Donc celle-là, elle a été inspirée de la Book of Magic, justement, comme je vous expliquais. Voilà comment elle est, la Midnight. Cette palette aussi, pour moi, c'est un top plus. Ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il manque, je trouve, dans les fards irisés, des couleurs claires. Des couleurs claires, parce que, voilà, à part le... Encore, celui-là, il est encore un petit peu foncé, je trouve. Mais voilà, le vraiment clair, c'est celui-là. Il n'y en a pas beaucoup pour mettre au niveau du coin interne. Par contre, au niveau des mats, il y en a pas mal de clairs. Mais voilà, au niveau des irisés, c'est ça que je trouvais dommage. C'est qu'il manque, pour moi, personnellement, il manque un ou deux fards irisés clairs. Voilà, que ce soit en violet ou en bleu. Donc voilà, mais sinon, cette palette est aussi magnifique. Les fards, ils sont aussi très faciles à utiliser, hein, malgré que ce soit... des bleus, des violets, parce qu'on dit souvent que ce sont des fards qui sont assez compliqués à travailler. Là, pour le coup, vraiment pas du tout. La pigmentation également, elle est au rendez-vous. Et franchement, voilà, c'est une pépite également, cette palette. Donc, je vais toutes vous les montrer, hein, comme ça, bon, pour ceux qui ont vu mes vidéos, ce sera peut-être un petit peu trop répétitif, mais je vais toutes vous les montrer, comme ça, vous les verrez toutes. Donc celle-ci, c'est la RT. Moi, je les ai en grand format, mais elles existent aussi en petit format. Vous verrez, de toute façon, sur leur site internet, il y a tout ce qu'il faut.
Donc clairement, celle-là, ça a été ma préférée de toutes. C'est vraiment top, plus plus celle-là pour moi. Plus. Je l'ai kiffée cette palette. Franchement, et je la kiffe encore. Ça a été vraiment ma préférée de toutes celles qu'ils ont sorties. Les verts, ils sont sublimes. Les mats, les nudes également. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs. Et voilà, je suis trop fan de cette palette. Elle est vraiment sublime. Les fards, encore une fois, ils sont hyper faciles à travailler ensemble. Ils sont hyper faciles à travailler. La pigmentation, elle est au rendez-vous. Franchement, Beauty Bay, vous tapez très fort, là, je trouve. Et pour nous, du coup, c'est génial. Parce qu'on en profite. Mais voilà, vraiment, j'ai kiffé ce qu'ils ont fait. Et je pense qu'il y en a beaucoup également dans ce cas-là. Ensuite, une autre palette que j'ai beaucoup aimée ce mois-ci, ça a été la Color Clash de chez Sephora. Faut swiper comme ça pour l'ouvrir. Et dedans, il y a 10 fards. C'est vrai qu'elle est petite comme ça parce qu'il y a ce système justement d'ouverture là qui fait que la palette est un petit peu plus grande, mais il y a 10 fards à paupières dedans. Je trouve que l'harmonie, elle est très belle pour les beaux jours qui arrivent là, parce qu'il y a du nude, il y a ce fard là, c'est une pépite, franchement, je vais vous le swatcher, j'ai les doigts vraiment sales, je sais pas pourquoi, plein de fards à paupières. Je vais vous le swatcher, mais franchement, pour moi, il est vraiment trop beau, regardez. Un doré vraiment sublime. Et je la trouve très belle en fait, cette palette pour les beaux jours, tout simplement parce que il y a autant des nudes que des colorés avec les deux fards là qui sont vraiment trop beaux. Franchement, ils sont vraiment trop beaux. Le Troublemaker et le Game Changer. On peut faire un look tout à fait simple avec un petit peu de couleur ou un petit peu plus chargé justement. Franchement, je la trouve très belle. Et voilà, et c'est encore une fois une pépite à petit prix. Un fond de teint que j'ai testé, la marque m'a envoyé un échantillon pour que je teste justement. En fait, ils faisaient une campagne où ils distribuaient des échantillons pour que les gens ils puissent tester justement, et je trouvais ça vraiment sympa. Encore une fois, je vous ai fait une vidéo où je vous explique comment avoir des produits gratuits si jamais ça vous intéresse, sans forcément être influenceur, sans forcément avoir des réseaux sociaux. Je vous mettrai la vidéo soit dans le petit, soit en barre d'infos. Je vous l'ai faite il y a un moment, cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Et moi, justement, j'utilise régulièrement ces sites pour leur demander des produits quand il y a des choses qui m'intéressent. Ça fait un petit plus ça me permet du coup d'avoir des choses des fois que je souhaite acheter et de les avoir gratuitement, vous voyez. Bref, du coup, c'est le Touche Éclat, le teint de chez Yves Saint Laurent. Moi, je l'ai en teinte B20 et franchement, c'est une pépite, ce fond de teint. C'est vrai qu'il n'est pas donné, hein. Franchement, c'est pour ça que j'ai demandé l'échantillon, parce que je ne voulais pas acheter un fond de teint et après dire, finalement, ça ne me convient pas, vous voyez. Sachant qu'il a un certain prix, donc il faut attendre les soldes. On est d'accord, on est tous pareils, hein. Donc, moi personnellement, j'attends souvent les soldes ou j'attends d'avoir une promotion. Bref, du coup, il est en 5 ml et il est génial ce fond de teint parce qu'il est très, il est hydratant. Il vient donner de la lumière, mais de façon vraiment naturelle. Il est très beau sur la peau, il est très fin, on ne le distingue pas du tout. Et en plus de ça, il vient camoufler les imperfections. Du coup, voilà, j'adore ce fond de teint, je l'adore. Et quand je pourrai l'acheter, je l'achèterai, ça c'est sûr et certain, parce qu'il est vraiment sublime. On ne voit pas en fait qu'on a du fond de teint sur la peau, c'est la peau mais en mieux. Et franchement, il est vraiment trop génial. Donc ça c'est skincare, mi-make-up. Donc c'est une crème de chez Ambryolisse. C'est le lait crème sensitive. C'est un soin hydratant nutritif multifonction. Il est hypoallergénique, sans parfum. C'est pour les adultes, les enfants, les bébés. C'est une crème hydratante, une base de maquillage. Et ça peut être également un masque hydratant. Là, pourquoi sensitive? Parce que c'est pour les peaux sensibles réactives. Je connais hyper bien cette crème parce que je l'ai utilisée, je l'ai beaucoup utilisée au début de ma chaîne. C'est une copine à moi, une make-up artiste en fait, qui m'avait conseillé la marque Ambryolisse et je ne regrette pas du tout. Du coup, là, j'ai vu qu'Ambryolisse faisait également des campagnes où
Il proposait justement de tester leurs produits gratuitement en échange de donner son avis. Du coup, je dis ah ouais, mais grave, 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 j'aime trop cette marque. Et du coup, j'ai demandé à recevoir ce produit-là. Bon, moi, que ce soit pour peau sensible ou pas, cette crème, elle me convient parfaitement, mais elle est vraiment trop bien en fait, cette crème. Elle est vraiment géniale. Si vous avez la peau sèche, vous allez l'adorer. Si vous avez une peau qui a besoin d'hydratation, en plus de ça, vous pouvez même en faire un masque hydratant. Moi, je le faisais pas mal aussi. Quand j'avais la peau très très sèche en hiver, je mettais en couche en fait sur ma peau et je faisais un masque tout simplement. Franchement, il est génial. Là, je l'ai en grand format en 100 ml. Je remercie d'ailleurs beaucoup la marque Embryolisse de m'avoir envoyé leurs produits qui sont géniaux tout simplement. C'est une pépite. Franchement, ce produit-là, c'est une pépite. Comme je vous dis, il y a beaucoup de make-up artistes qui utilisent leurs produits et je comprends tout à fait pourquoi, franchement. Moi, à chaque fois que je viens l'utiliser, quand je me maquille, bon là, j'ai à peine de la recevoir, hein, donc je ne l'ai pas utilisée non plus de ouf, hein, vous voyez. Mais dès que j'ai besoin d'hydratation, je viens la chercher. Dès que j'ai besoin d'une base pour me maquiller, je viens la chercher aussi. Donc voilà, franchement, déjà c'est un produit de base que j'aime beaucoup depuis des années. Donc forcément, je continue à l'apprécier. Donc voilà, je voulais vous en parler de ce produit-là parce que franchement, c'est un top plus plus plus. Vraiment, parce que c'est une pépite en fait. Vraiment, si vous vous maquillez souvent, n'hésitez surtout pas, vous avez besoin d'hydratation. Surtout que leurs produits, vous pouvez les trouver en pharmacie un peu partout en France. Ou sinon, vous pouvez vous procurer aussi leurs produits sur leur site internet. Tout ça pour vous dire que cette crème, elle est vraiment trop géniale. On va passer maintenant au skincare. Alors, on continue avec Embryolisse. Du coup, j'ai reçu également avec la crème que je vous ai parlé juste avant. Ce produit-là, c'est un sérum bonne mine perfecteur de teint. C'est pour tout type de peau. C'est testé sous contrôle dermatologique, comme tous les produits d'ailleurs de chez Embryolisse. C'est un sérum, en fait, pour venir hydrater la peau, pour venir, encore une fois, qui est perfecteur de teint. Dedans, il y a de l'acide hyaluronique, de l'extrait de citron, de l'eau d'amamélis et de la glycérine. Moi, j'utilise beaucoup ce sérum avant de venir appliquer la crème que je vous ai montrée juste avant de chez Embryolisse, là, celle-ci. Et en fait, vraiment, tout de suite, j'ai une sensation de confort par rapport à mes tiraillements, par rapport à ma peau sèche et tout. Franchement, ce produit-là, il est trop, trop bien. Il est transparent, hein, clairement. C'est pas du tout un perfecteur de teint teinté. Celui-là, il est transparent, donc je vais vous montrer. La texture, elle est comme ça. Et vous voyez, quand je viens justement le diffuser, voilà, c'est transparent. Mais vraiment, voilà, j'aime beaucoup utiliser cette crème. Elle a une petite odeur parfumée, mais c'est vraiment très, très léger. C'est très subtil. Et voilà, c'est sur flacon pompe comme ça. Donc, c'est un produit que je suis en train d'utiliser pas mal. J'ai reçu ça il y a 3 semaines de la part de Embryolisse. Et vraiment, je peux plus m'en passer. Je ne peux plus m'en passer. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, qui hydrate bien ma peau, qui vient vraiment lisser ma peau. Et franchement, voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que vous voyez, celui-là, c'est pour tout type de peau. J'ai également reçu des produits de la part de Dermina ce mois-ci. Je remercie également énormément Dermina de m'avoir envoyé leurs produits. J'aime beaucoup la marque Dermina. J'avais testé un produit 3 en 1 de chez eux contre les rougeurs et tout ça. D'ailleurs, il faudra que j'aille le chercher parce que ce produit-là, il est trop génial. Bref, et du coup, j'ai reçu un sérum hydratant intense qui va venir lisser, hydrater, repulper la peau. C'est pour tous les types de peau. Et j'ai reçu également un contour des yeux hydratant 3 en 1 qui va venir corriger les poches, les cernes et les ridules pour tout type de peau. Alors, le sérum hydratant aussi, j'utilise beaucoup quand ma peau est sèche et que j'ai besoin d'hydratation. Et il fait très très bien le job, il est très bien. Au niveau de la texture, je crois qu'on est sur quelque chose qui est assez... on est sur quelque chose qui est assez transparent comme ça également. Donc voilà, quand on vient l'appliquer. Voilà. Au niveau de l'odeur, là par contre, pour les produits Dermina, il n'y a vraiment aucune odeur. C'est un produit qui pénètre hyper rapidement dans la peau et qui est très, très agréable, franchement. Donc,
Donc voilà, si vous avez la peau sèche, que vous avez besoin d'hydratation, que vous avez une peau mature, vous l'apprécierez énormément. Non, non, il n'y a pas de parfum. Il y a, enfin, comme je vous ai dit juste avant, j'utilise le matin et soir, le matin et le soir mes soins. Comme ça, toute la nuit, ma peau également, elle est hydratée et le matin, ma peau est un peu moins sèche. Ensuite, donc pour le contour des yeux, moi personnellement, je trouve pas forcément qu'il corrige les poches, les cernes et les ridules. D'ailleurs, les produits que je vous ai montrés en skincare, pour l'instant, c'est des tops. Excusez-moi. Mais je trouve pas forcément en fait qu'il fait ça. Moi, j'utilise beaucoup pour l'hydratation et c'est une texture très fine, très très fine. Après, le flacon pompe, il donne peut-être un petit peu trop de produit, je trouve, pour moi personnellement. Donc voilà, c'est vraiment une crème, vous voyez. Encore une fois, il n'y a pas d'odeur. Hein. Donc voilà, elle pénètre hyper vite également dans la peau. Ce qui est bien, c'est que le matin, je ne me réveille pas avec des yeux comme ça. Vous voyez, c'est vraiment une crème qui est très très fine, encore une fois, qui pénètre rapidement et qui vient hydrater mon contour de l'œil parfaitement. On peut l'utiliser autant ici que sur la paupière mobile sans aucun problème. Et du coup, voilà, c'est des produits que j'utilise régulièrement et que j'apprécie beaucoup. Ensuite, j'ai reçu également ce produit-là de la part de Embryolisse. C'est une huile de beauté aux 4 huiles végétales, karité, grenade, citron et abricot, multi-usage pour le visage, le corps, les cheveux. C'est testé sous contrôle dermatologique. Donc là, je commence à l'utiliser. J'ai utilisé principalement sur mon visage. Et pour l'instant, c'est un produit que j'aime beaucoup. Moi, de toute façon, j'aime beaucoup les produits où il y a des huiles dedans. Hein. Je pense que vous le savez. Parce qu'au début de ma chaîne, je faisais beaucoup aussi des recettes à base d'huile d'argan, d'huile d'olive et tout ça. Et je vous les mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir ça. Et du coup, d'ailleurs, il faudrait que j'en refasse. Ce serait sympa. Mais tout ça pour dire que franchement, c'est trop bien. Par contre, c'est un spray. Ça, c'est un petit peu particulier. Je trouvais ça un peu particulier. Oui, c'est vraiment un spray. Pour les huiles, je trouvais ça particulier. Donc, enrichie en huile végétale active, cette huile sèche hydrate, nourrit et sublime la peau et les cheveux. Elle pénètre rapidement et laisse sur la peau un voile satiné non gras au doux parfum floral. Son multi-usage pour une application quotidienne sur le visage, le corps et les cheveux. Donc voilà, moi je l'ai en combien? 100 ml. Et du coup, c'est vrai que franchement, ça hydrate parfaitement ma peau. Et bon, comme je vous ai dit, sur les cheveux, je ne l'ai pas encore testé. Donc je pense que je vous en reparlerai dans le top et flop du mois suivant. Mais là, du coup, franchement, pour l'instant, je l'aime beaucoup. C'est un produit que j'aime beaucoup. Je l'ai inclus dans ma routine skincare du moment. Et franchement, j'aime trop pour l'instant sur la peau. Ça sent bon, c'est agréable, ça hydrate bien. Effectivement, ça ne laisse pas de fini gras. Ça aussi, c'est appréciable. C'est un top, en tout cas, pour l'instant. On va passer maintenant au parfum et aux produits salle de bain en même temps, puisque j'en ai pas beaucoup. Alors, tout d'abord, en produits salle de bain, j'ai fait une découverte, une pépite chez Lidl récemment. Il faut absolument que je vous en parle. C'est ce produit-là de chez Garnier. C'est l'ultra doux enfant shampoing 2 en 1 abricot fleur de coton. Ça pique pas les yeux, ça élimine les nœuds. C'est testé sous contrôle pédiatrique. Hein. Ça, c'est trop trop bien. Et en fait, je l'utilise sur. Enfin, moi, j'utilise même sur moi d'ailleurs. Sur moi, sur ma fille, parce qu'on a des cheveux. Alors, déjà, moi et ma fille, on est très sensible des cheveux quand on se coiffe. On a mal assez facilement. C'est pour ça que je vous dis qu'on est très sensible. Et puis, on a des cheveux qui sont frisés. Comme ils sont frisés et qu'on veut garder nos boucles, on ne les brosse pas forcément tous les jours non plus. On les brosse, je dirais, une fois sur deux, un jour sur deux. Et du coup, voilà, des fois, c'est vraiment intéressant le fait que ça élimine les nœuds parce que ça aide justement à enlever les nœuds sur les cheveux et ça sans faire mal en fait, enfin en faisant moins mal. D'ailleurs, j'utilisais beaucoup avant également un démêlant après mon shampoing et d'ailleurs, j'utilisais aussi sur ma fille parce qu'on craint justement des cheveux. C'est vraiment une haute sensibilité à ce niveau-là. Du coup, ça fait des cheveux magnifiques. Franchement, ça fait des trop beaux cheveux, je trouve. Ça les adoucit, ça les rend doux.
Ils sont vraiment brillants. Enfin, je sais pas, mais franchement, ce produit-là, j'en suis totalement fan parce qu'il fait de trop jolis cheveux. Et je crois qu'il coûte 3 € chez Lidl. Et je ne l'ai pas du tout trouvé dans une autre grande surface, que ce soit à Leclerc ou à Carrefour. Du coup, franchement, c'est un produit que je vais tout le temps acheter à Lidl parce que je l'aime trop. Je l'utilise constamment en ce moment. Ensuite, un parfum que j'ai également reçu de la part de Lancôme. Donc, c'est une nouveauté, c'est Oui, la vie est belle, la nouvelle eau de parfum d'exception. Donc, voilà comment ça se présente comme ceci. Le petit échantillon juste là, comme ça. D'ailleurs, j'ai bientôt fini le parfum. Franchement, ce parfum, mais qu'est-ce qui sent bon! Mais je l'aime trop ce parfum, je vous jure. C'est vraiment un top pour moi, ce parfum. D'ailleurs, le gel douche juste avant, c'est top plus plus pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme note florale à l'intérieur? Parce que moi, je ne saurais pas vous dire. Donc, je vais m'aider petit papier là qu'ils m'ont donné avec. Découvrez la facette la plus exceptionnelle du bonheur. Oui, la vie est belle, l'eau de parfum d'exception, une nouvelle déclaration olfactive, résolument joyeuse et positive qui invite à faire de chaque moment de vie un moment de bonheur exceptionnel. Bref, le premier iris gourmand sublimé par la rose. Ah, alors dedans il y a de l'iris pallida, il y a de la rose d'Isparta et il y a de patchouli, de bali et de la vanille. Alors franchement, je n'aurais jamais pensé qu'il y avait toutes ces choses-là à l'intérieur, mais ils sentent trop bon, je vous jure, ils sentent trop bon. Je trouve que c'est un parfum qui a du caractère, qui n'est pas doux, parce que souvent quand il y a des fleurs, enfin que c'est des parfums fleuris finalement, les parfums ils sont assez doux, mais là pas du tout. C'est un parfum qui a du caractère, il n'est pas fort, enfin si vous en mettez trop, j'ai remarqué que c'est un parfum que... Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de pchit parce que sinon il sent vraiment très fort. Moi personnellement, je mettais 1 à 2 pchit vraiment grand maximum. Parce que souvent, même avec mon parfum de chez Yves Saint Laurent, j'en mettais 3 moi. Mais non, même un pchit, enfin, ça suffit largement parce que franchement, il est vraiment fort ce parfum. Il a vraiment du caractère. Mais qu'est-ce qu'il sent bon? Franchement, il sent vraiment trop trop bon. C'est un parfum que j'apprécie beaucoup. Alors après un autre parfum que j'apprécie beaucoup mais je ne l'ai pas du tout retrouvé dans mes affaires, je ne sais pas ce que j'en ai fait, c'est le Good Girl avec le flacon vert, là je vous mettrai la photo sur l'écran, mais qu'est-ce qui sent bon ce parfum? C'est un parfum qui est doux et qui sent vraiment très très bon. Là pour le coup je ne l'ai pas sous la main donc je ne peux pas trop vous en parler plus que ça, mais franchement c'est un parfum aussi que j'ai beaucoup apprécié mettre ce mois-ci parce que franchement mais il sent trop bon parce que par contre je me suis pas forcément beaucoup maquillée mais j'ai mis beaucoup de parfum sur mes vêtements ce mois-ci ça c'est vrai donc voilà écoutez on en a fini pour mes top et flops du mois j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait activer la petite cloche pour suivre toutes mes nouvelles vidéos quand elles sortiront. Et en plus de ça, ça me soutient énormément et ça aide ma chaîne à grandir. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!